Et maintenant, public adoré, vous allez faire un triomphe aux deux comédiens de Accalmies Passagères, Dounia et Grégory. Applaudissements, s'il vous plaît. Bravo. Bonjour, je vous donne vos micros. Oui, bonsoir. Bonjour Dounia, on se fait la bise. Oui. Là, nous aussi. Ouais, on s'embrasse. Tu tiens. Ouais. Tu tiens? Ouais, on remarque, moi aussi, finalement. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est pas mal. Il est pas mal, non? Oui, c'est un beau mec. C'est un beau mec. Ouais. C'était une belle fille quand même, toi. C'est gentil. Bon, ton père regarde l'émission ou... Ah, je l'ai pas prévenu. Tu l'as pas prévenu? Il était venu dans l'émission déjà, ton père. C'est vrai? Ah, d'accord. Bah écoute, je lui dirai, il regardera en replay. C'est un bon comédien. Oui. Très bon comédien. Très bon comédien. Ouais, ouais, c'est vrai. Oui, je l'embrasse d'ailleurs. Bisous, papa. Je l'embrasse parce que je l'aime bien. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu te balades comme ça? Bon, d'accord, c'est parfait. C'est bien, tout le monde se balade ici. Ouais, bah, c'est le GJDA, c'est un peu... détente, hein, c'est très bien. Pardon? C'est un gros budget, il y a beaucoup de figures. Ah oui, très gros budget, comme tu vois. Le GJDA, le plateau est énorme. C'est même le président François Hollande, enfin, c'était là. Ah oui, c'est vrai. Oui, il est là. En fin d'émission. Bon, on va pas parler de François Hollande pendant un quart d'heure. Non, bah non. Alors, c'est Accalmies Passagères au théâtre du Splendid. Voilà, c'est ça. Alors, ça a démarré il y a quelques jours, le 21 juin, c'est ça? Oui, 21 juin jusqu'au 14 septembre à 21h30 et le samedi en plus à 15h30. Voilà. Au Splendid. Alors, le Splendid, c'est rue du Faubourg-Saint-Martin, c'est ça? C'est ça, 48 rue du Faubourg-Saint-Martin. Métro? Métro Strasbourg-Saint-Denis. Voilà, c'est ça. Changement à Denfert-Rochereau, non? On change combien de fois? Ça dépend d'où on vient. Ça dépend d'où on vient, oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est sur la même ligne. Voilà. Donc, vous vous connaissez depuis longtemps tous les deux? Oui, on joue dans la série Plus belle la vie ensemble. Les quatre comédiens, vous pouvez citer peut-être les deux autres comédiens? Oui, nos amis. Bah oui, Pascale Dinca et Valérie Vogt. Voilà, vous jouez tous les quatre dans Plus belle la vie. Non, c'est connu. Vous êtes connus. On s'est connus, ouais. Pascale était coach comédien sur Plus belle et a eu un petit rôle dedans. Et Valérie a joué pendant quelques mois, pendant plusieurs mois. Et vous, vous avez des rôles, ce qu'on appelle des rôles titres. Oui, des rôles récurrents, on dit. Récurrents. Ouais. Alors, ça se mort, quoi. Ouais, ouais. Ça va pas tarder, non? J'ai l'impression que je vais... Non, on va se marier d'abord. Oui, alors, on se mariera d'abord. Vous voyez tous les jours, pratiquement... hein, vous tournez tous les jours, mais la vie... Enfin, souvent, quoi. Enfin, eux, non, eux tournent tous les jours. Nous, ça dépend. Ça dépend. Alors, en plus, vous avez envie d'être sur scène ensemble. Vous avez eu envie d'être sur les planches ensemble. Voilà, on s'est très bien entendu entre Valérie, Greg, Pacou et moi. Et on s'est dit, on a envie de faire du théâtre ensemble. Alors, j'ai vu, il paraît que le projet s'est monté en 24 heures, c'est une histoire de fou. Vous avez déjeuné ensemble, c'est ça? On a déjeuné tous les quatre ensemble. Greg a eu l'idée d'Accalmies Passagères. Il a croisé un metteur en scène dans le train qui venait de déjeuner avec l'auteur. Qui a déjeuné avec l'auteur, qui vous a filé les droits. Qui a dîné avec l'auteur la veille. Qui m'a dit, bon, bah c'est bon, on a les droits. Donc le projet en 24 heures était monté. Le lendemain, le metteur en scène trouve le producteur à Toulon, parce que lui, il allait à Toulon et moi, je m'arrêtais à Marseille. Alors, il faut préciser que Accalmies Passagères est une pièce qui a été créée en 1997, c'est ça? C'est ça. Et qu'il y a eu un Molière. Oui. De la Plus belle comédie. Il y a eu un Molière. Après, la mise en scène était totalement différente. En 98, c'est ça? En 97. Donc ça s'est créé en 96 alors. Ouais, peut-être. Ouais, ouais. C'est ça, je pense. Vous l'aviez vu à l'époque? Oui, je l'avais vu à l'époque, moi, oui. Toi, moi, je devais avoir 8 ans, donc... Ah ouais. Tu n'allais pas au théâtre à 8 ans? Non, j'étais dans le sud, ça jouait à Paris, je pense. Donc, tu regardais le Club Dorothée, j'espère? Non, même pas. À 8 ans? Si, un petit peu, ouais. C'est pas trop de ma génération, mais je connais. Tu connais? Je connais, bah oui, oui, bien sûr. Tu regardais quoi, alors? Les Enfants du Rock? Qu'est-ce que je regardais? Non, je regardais Buffy contre les vampires, ce genre de choses. Ah ouais? Qu'est-ce qu'elle a gagné? Hein? Qui a gagné? Qui a gagné? Buffy ou les vampires? Buffy, toujours. Bah oui. Oui, donc, alors pourquoi vous avez choisi cette pièce, Accalmies Passagères? Pour quelle raison? C'est les astres, je pense. Je sais pas, parce que j'avais ce souvenir. Non, je pense que c'est parce qu'il y a quatre personnages, on est quatre comédiens, tous aussi importants les uns que les autres. Oui. Donc on s'est dit, voilà, puis c'est drôle, c'est tendre, c'est pas une grosse comédie, ça ne fait pas que rire, c'est tendre aussi. Est-ce que c'est un vaudeville, une comédie de boulevard? Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Comédie romantique. Comédie romantique. C'est tendre, et on sourit et on rit aussi. Il faut pas s'attendre à du... Il y a une mise en scène... Non, pas du tout. Et c'est pas péjoratif de ma part, parce qu'il y a du théâtre boulevard qui est quand même... Ah bah oui, oui, carrément, ouais. J'adore ça, mais là, il faut pas que les gens s'attendent à avoir des portes qui claquent et un amant... De toute façon, il y a... C'est pas Courteline, du tout. Non, même au niveau du décor, ça joue que sur des lumières, sur des changements de draps, de trucs. Enfin, c'est assez particulier, mais c'est pas du tout un décor planté comme on a l'habitude de voir, un appartement avec un canapé. C'est pas du tout pareil. Vous avez modernisé un peu depuis 97? Ah oui, bah à quel niveau? Au niveau que la mise en scène de l'époque, il y avait une mise en abîme, ils s'amusaient à répéter. On avait des comédiens sur scène qui répétaient une pièce et qui faisaient des tentatives, y compris de costumes, de décors, d'ambiance. Nous, on a vraiment pris le texte en lui-même, quoi. Vraiment, voilà. Eux, ils ont fait. On a joué l'histoire tout court, sans... À la virgule près. Enfin, vous avez complètement respecté le texte. Voilà, ouais, ouais. Il y a des fous rires sur scène déjà ou non? Ouais, on en a eu au début, ouais. On en a eu, surtout à cause de toi. Parce qu'on est déjà passé un petit peu en France. Vous l'avez rendu en tournée avant de jouer à Paris? Un petit peu, ouais. Une vingtaine en tournée avant. Donc et, les lumières sont de... Là, oui, on était bien détendu parce que le public de province est super sympa. Ah ouais, ouais. Et là, on arrive à Paris et au Splendid, et donc on s'est un petit peu retendu. D'accord. Voilà. Ouais. Donc on rigole en coulisses. Splendid, là. Ouais, c'est tout frais, là. On en a fait 3-4, là. Donc, ouais. Ok. Les lumières sont donc de Jacques Rouverolis. C'est ça, tout à fait. Merci, Jacques. Qui a créé les spectacles de Dorothée. D'accord, ok. Johnny, les 70 ans. Il a fait tout le monde. Ouais, il a fait plein de trucs. Ah bah oui, ça ne repose que là-dessus. Alors, il y a un peintre dans l'histoire, trop cool. Oui. Qui joue le peintre? C'est pas toi. C'est pas cool. C'est Pascale Dinca. Le pitch, parce que j'ai pas vu la pièce, donc le pitch. C'est compliqué le pitch. C'est un, non, c'est un chassé croisé amoureux. Voilà. Personne. Ouais. Un couple qui se défait, deux qui se refont, ouais. qui se défont, qui tout ça est un prétexte à de. C'est très bien écrit. C'est très bien écrit. Puis tout le monde peut se reconnaître, voilà. Les personnages. Tu joues quoi toi dans la pièce? Moi, je joue un scientifique coincé. Voilà. Que tu es dans la vie, non? T'as pas l'air coincé. Non, il n'est pas du tout coincé, Greg. Non plus, d'ailleurs. Pourtant, si, j'ai une formation d'ingénieur maths informatique. Tu le caches bien. Dans ma première vie. Tu te le caches bien, non? Et ce qui est drôle, c'est que j'ai fait comédien pour ne pas avoir à me raser, à être en costard-cravate dans ce métier. Et pourtant, tu es rasé de près, là. Je fais que ça. Ouais. Oui, tu es à la tête de l'emploi. Que ce soit dans la série ou là, enfin tout le temps, je suis en costard-cravate. Sur scène, là, tu es en costard-cravate, rasé de près. Et rasé, avec des lunettes. Bon, bah, c'est raté, alors. En mode très coincé. En mode très coincé. Et toi, Dounia, alors, quel est ton personnage? Alors, Marianique, elle passe du rire aux larmes. C'est quelqu'un de très sensible, qui va s'affirmer au fur et à mesure de la pièce, quoi. Oui. Et parce que les trois autour vont tout le temps chez elle, s'engueulent chez elle, elle n'en peut plus, et au bout d'un moment, elle va s'affirmer et dire vous me faites chier. Ah, carrément, vous me faites chier. Vous me faites chier, j'existe aussi. Ouais. Et voilà. Donc, en gros, c'est ça. Les deux autres comédiens, alors, les personnages, c'est. Alors, Valérie Vogt, elle joue Hélène. Oui. Ma nouvelle compagne, qui changes beaucoup de compagne, toi? Oui. Non, ma seule. Dans la vie, par exemple, tu changes beaucoup de compagne? Non. Non. Tu es fidèle? Dans la vie, ça fait 8 ans que... Oui, il a une charmante femme qui s'appelle Sophie et que j'embrasse, d'ailleurs. Oui, alors regarde. Bisous, Sophie. Tu es fidèle. Bisous, Sophie. Voilà. Regarde le GJDA, Sophie. Bon. Oui, alors excuse-moi. 8 ans que je suis avec, tout va bien. D'accord, oui. Donc... Alors Hélène, Valérie Vogt incarne Hélène, qui fait des courts-métrages, qui aimerait en tout cas fonctionner là-dedans, dans le cinéma. Et c'est une loseuse dans la pièce? Non, c'est une winner. C'est une winner? Ouais. Elle est très encombrante, c'est du tempérament, c'est du... Voilà, et à côté de moi qui suis le scientifique coincé, enfin voilà, c'est chaud-froid, c'est très... C'est chaud-froid. Bon, j'ai un petit extrait, on va regarder, puis on en reparle après. Ah, super, ok. T'es d'accord, Dounia? Oui, je suis d'accord. Moi, je fais ce que tu veux, moi. Ok, bah extrait. Tu veux l'extrait, c'est pour toi? Je veux. Allez, c'est parti. Zou. Oh mais Patrick, qu'est-ce que tu fais là? Mais toi, qu'est-ce que tu fais avec Thierry? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de court-métrage? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Patrick, calme-toi, tu vas réveiller tout le quartier. Mais non, je me calmerai pas, alors c'est ça ton film? On se calme. Oui, arrêtez, il est 1h du mat. Mais ça fait combien de temps que tu me mens comme ça? Oh mais tu vas le faire taire ton croque-mort, faut répéter une pièce ou quoi? Bah tu vois, ça fait du bien de discuter. Ouais, surtout que les comptables entre vous, ça doit pas discuter beaucoup. Ah oui. Oui, mais moi, je suis pas comptable, moi, je suis chercheur au CNRS. Arrête. Bah si, je te jure. Non. D'abord, j'ai pris les lasagnes. Et après, j'ai attendu dans le couloir, parce que je voulais pas qu'elle le sache. Et, bon, alors, j'ai pris mes lasagnes et je suis allé dans le salon pour voir ce qu'elle écrivait. Manque de bol, j'ai fait tomber les lasagnes sur le scénario. Alors, elle bondit des toilettes comme une furie, sans tirer la chasse, rien. Elle me retrouve avec les scénarios dans les mains. Non, mais t'es marrant, je veux savoir ce qu'il a fait ricaner. Chaque fois qu'elle me voyait, elle ricanait. Alors moi, je lui dis, t'inquiète pas, c'est toi, et elle... Et elle est où, là? Ben, elle est partie. Wow. Alors, pourquoi tu vas arrêter de sortir de transport, hein? Non, mais ça va pas, t'es barges ou quoi? Oh, gueule! Mais ta gueule, toi aussi, là-haut! Tu crois que quand tu bats ta femme, on n'entend rien? Non, mais celui-là, c'est pas celui qui bat sa femme, c'est celui qui a son chien qui gueule tout le temps. Ah oui, pardon. Ah ben, ça a l'air sympa, applaudissements, s'il vous plaît. C'est vrai, ça a l'air très bien écrit, hein. C'est ciselé, quoi. C'est propre, ouais. Ah oui. L'auteur s'appelle comment, d'ailleurs? Xavier Daugreilh. Daugreilh, alors il a écrit ça en quelle année? C'est contemporain? C'est la création, c'était en 96, 97. Donc il a écrit, d'accord. Il a fait d'autres choses ou... Oui, il a eu en préparation d'autres choses. Et puis ce qui est amusant, c'est qu'il a fait quelques dialogues sur la série aussi. Sur Plus belle la vie? Ah, d'accord. Il a d'autres projets en préparation. Et le metteur en scène peut peut-être le citer aussi? Ah oui, Thierry Harcourt. Ah oui, c'est la moindre des choses. Bon, alors... Thierry Harcourt. Pourquoi tu fais? Parce que c'est un grand, il navigue entre Paris et Londres, et c'est ça que j'ai adoré dans son travail, c'est qu'il y a une forme d'élégance dans ce qu'il nous a proposé, vraiment, et un humour en subtil anglais que j'adore, qu'on a rarement l'occasion de croiser, quoi. D'où tu viens, toi, Grégory? Ah, c'est moi, Qu'est-ce que tu faisais avant Plus belle la vie? J'ai fait énormément de pubs et de théâtre. Pub radio ou pub non, télé. Physique de télé, toi. Télé, j'en ai fait pas mal. Quel genre de pub, par exemple, tu peux les citer? Bah, dans une, on peut citer là-dessus, ouais. Ouais, vas-y. Bah, pour la Renault Mégane, Break, par exemple. Qu'est-ce que tu disais? Je disais non. Ah ouais. Je disais non, mais je la veux. Ah, d'accord. Okay. Une phrase et plein. Mégane, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait PMU, Nivea. Film etc. aussi, cinéma, jamais? Ouais, des jamais proposé. Ouais, si, là, je viens de jouer dans le film de Guillaume Gallienne. Ah. Que j'adore, qui avait réalisé la pub Renault, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et qui t'a proposé. Et qui m'a appelé juste avant Cannes. Les garçons à table, c'est ça? Voilà. Ouais, qui sort quand bientôt? Dedans, ça sort en novembre. Ça sort en novembre. Enfin, et qui m'a appelé 3 semaines avant Cannes en me disant j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ouais, la bonne, c'est qu'on est sélectionné à Cannes. Ouais. La mauvaise, c'est que t'es coupé au montage. Ouais. Mais bon, voilà, on est 3 comédiens à sauter. Ouais. C'est vrai ou il plaisantait? Non, c'est vrai, on est 3 à sauter. Mais pourquoi? C'était très drôle là où on jouait. Ça n'est pas dans le film, ça arrive souvent. Ça arrive très souvent. C'est-à-dire que ce qu'on avait fait était très drôle, mais ça faisait vraiment sketch dans la narration. Donc, coupé au montage. Donc, ça coupe. Et, okay. Et toi, Dounia, alors, d'où viens-tu? De Marseille? D'Aix-en-Provence, pour être exact. Ouais. Tu as commencé très tôt le théâtre, le cinéma, tout ça? Moi, j'ai pris des cours de théâtre avec mon père qui, à l'époque, donnait des cours de théâtre, mais je devais avoir 8 ans. T'as fait tout à 8 ans, toi? T'arrêtes pas de me parler, t'as 8 ans. Non, mais à la base, je suis musicienne, en fait. J'ai fait 10 ans de conservatoire de musique. Ah bon? Tu joues quoi comme instrument? Piano, saxo, et je me suis mise à la guitare dernièrement. Bon, mais t'as jamais essayé de faire un album ou... Non, je fais vraiment pour moi. Tu chantes? Un petit peu. Bah vas-y. Non, je fais pas ça. Voilà. Non, vraiment, a cappella, je sais pas. Non, je travaille jamais ma voix, c'est pas possible. Je ne ferai pas ça. Tu ne feras pas ça. Bon. Non. Donc mais tu t'en sers pas, Non, c'est pour moi et mes amis, quoi. On fait ça à la maison, tranquille. Ouais. Alors comment c'est arrivé, Plus belle la vie? T'as passé un casting? C'est arrivé, voilà. Non, on est monté à 13 ans avec mon père et ma sœur pour trouver un agent, et on a trouvé un qui nous a mis sur le casting de Plus belle. Et puis voilà, j'ai été prise à 15 ans. Et tu continues, c'est la saison... C'est la saison, ouais, ça va arriver la 10e, bientôt. Tu as fait les 10 saisons, toi? Oui. Et toi? Non, moi ça fait 2 ans et demi. T'es pas coupé au montage dans Plus belle la vie? Non. Le mec a toujours été coupé au montage. Oui, c'est ça. Non. Et alors, popularité, alors ça a été vite, la popularité? Ça a été assez rapide, ouais. Au bout d'un an, ça décollait pas mal. Ouais. Voilà, moi après on s'y est fait, hein. Ouais, on s'y fait la popularité, non? Oui, ça va, oui. Les gens sont en général adorables, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Non. Et tu penses que ça va continuer longtemps, Plus belle la vie? Enfin, c'est un truc qui peut durer encore 10 ans, 20 ans? Je pense. L'audience est toujours à... L'audience est au rendez-vous, ouais. Donc bon, tant que ça marche, ça continuera. Y compris les primes. Mais vous avez le temps de faire autre chose, parce que c'est... Oui. Moi, je viens de faire un Camping Paradis, je viens de faire Camping Paradis. Eh oui. Qu'est-ce que tu fais là, Camping Paradis? Je viens de faire un... C'est que ça fait partie de la famille. Bah oui, je sais, c'est la même prod. Ouais, je sais, carrément. Qu'est-ce que tu fais là, Camping Paradis? Une dompteuse de tigres dans un cirque. Intéressant à faire. Alors, c'était sympa. Tu l'as vu, toi, son épisode? Non, c'est pas passé encore. Ah, c'est pas diffusé? C'est pas passé, ouais. Tu t'es amusé? Ouais, carrément, ouais. Et là, vous votez. Ah oui, je voulais dire un petit truc, parce que j'ai eu un ami qui va faire... On va faire un court-métrage ensemble cet été. Oui. Il y a Nicolas Hulman et Jean-Claude Dreyfus. Et il m'a dit, essaye de le placer. Donc je le place. Et le court-métrage s'appelle Déconnexion, réalisé par Jérémy Prigent. Voilà. Donc je vais le tourner ou tu vas le tourner? Je vais le tourner en août. D'accord. Voilà. Okay. Bah, tu reviendras? Bah oui, on reviendra avec le réalisateur. Bah, voilà. Hein, on appellera. Voilà. Alors, et on appellera, oui. C'est prévu jusqu'à quand, ça? C'est juste pour l'été, si ça marche? Oui, c'est 14 septembre. Il y a déjà des dates de tournée. D'accord. On refait une tournée après. Après, il y a des tournages de Plus belle la vie, c'est ça? Ça arrange toujours. Oui, pas avant 2014, je pense. D'accord. Donc, c'est Accalmies Passagères. Au théâtre du Splendid, les jours, les heures, vas-y, Dounia, parce que... Alors, du mercredi au samedi à 21h30 et le samedi à 15h30, en plus de 21h30. En matinée, ce qu'on appelle les matinées. De toute façon, juillet, août, jusqu'à quand? Septembre? Mi-septembre. Jusqu'à mi-septembre. Oui. Donc vous passez l'été à Paris, ça peut être cool, je viens de voir. C'est ça, bah ouais, carrément. Je t'ai donné une invite, tu viendras. Elle est là. J'ai une invitation, donc voilà. Dounia et Grégory, merci beaucoup d'être venus au GJDA. Tu es assez pressé, tu vas chez Morandini? Je vais chez Morandini, c'est ça. Énergie 12? Oui, je crois que c'est Énergie 12. Oui, je te confirme, c'est Énergie 12. Merci d'être passé au GJDA, je t'embrasse. Merci. On se re-embrasse alors, Grégory. Voilà. Et là, moi, c'est pas coupé montage parce qu'on est en direct. Je sais bien, c'est pour ça. On ne peut pas te couper, Greg. Pour une fois, tu ne seras pas coupé. Tu es coupé, sinon tu es... Non, en plus, figure-toi que non. Ah, bon, d'accord. À bientôt. Si tu as d'autres questions, tu me demandes. Oui, de cet acabit, tu veux dire? D'accord. Très ouvert. Tu es très ouvert? Ah, tu n'es pas coupé et très ouvert, c'est bien. Alors... Ça t'intéresse? Non. Ah si, t'avais l'air intéressée par le côté pas coupé. Non, pas du tout. Je ne m'intéresse pas. Bon, d'accord, ok. Bon, merci à tous les deux. On s'en va. Bah, merci. Je vous dis merde pour cet été, pour la pièce. On prend. Allez, On applaudit très très fort les deux comédiens, Dounia et Grégory. Au Splendid, allez les voir. Salut, merci, ciao, super, ciao, merci à tous. Ciao, ciao.